Pourquoi tu voulais faire partie de la brigade? J'ai voulu faire Brigade des Nations parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs destinations, puis je suis une grande voyageuse, fait que je me suis rencontrée du nouveau monde aussi. Vos défis, pensez-vous que ça a aidé un peu les jeunes là-bas? Ce que j'ai remarqué le plus dans côté changement, ça a été les jeunes à Picogan, parce qu'il y a peu de jeunes qui parlent leur langue là-bas. Puis on encourageait souvent, il y avait eu la petite émission à radio qui fallait qu'on apprenne à parler nous autres aussi. Fait que ce côté-là, ça leur a peut-être encouragé parce qu'il y en a du monde, des amis que j'avais rencontrés là-bas, avec qui je parle encore aujourd'hui. Puis ils disaient qu'ils commençaient à apprendre leur langue eux autres aussi, parce qu'ils voyaient que c'était important pour pouvoir communiquer avec les aînés. Est-ce que tu l'écoutes, l'émission, à la télé? Ça te fait-tu drôle de te voir? Ben oui, je les écoute. On les écoute en famille les lundis soirs. tu sais, des fois, je me trouve, j'avais de l'air jeune, je pensais différemment, puis ça fait quand même 2 ans de ça. Mais tu sais, je n'apprends encore sur moi-même, fait que... Est-ce que tu as gardé un peu contact en personne ou par Facebook avec les autres? J'ai gardé plus contact avec Gab, Jacques qui vient me parler une fois de temps en temps, William aussi, on se donne des nouvelles. Quand je passe par Québec, ben je parle avec William, ma citoyage aussi, je vais aller voir Gab, je vais l'avoir direct chez elle parce que je suis au Calais. On se parle quand même. Maintenant, tu fais quoi? C'est quoi tes projets? J'ai déménagé à La Tuque j'ai resté là 5 mois peut-être. Puis après ça, je suis revenue à Waymont pour me rapprocher de ma communauté, voir si je pouvais travailler à la Maison des Jeunes. Je me suis trouvé un emploi. Je travaille au restaurant Quatuor à Waymont. Ça va quand même bien. Puis il y a Laval qui est en préparation. Je vais déménager à Laval avec deux de mes amis, son chum puis ma meilleure amie. On déménage cet été, si tout va bien, sinon l'année prochaine, pour aller continuer mes études. Je vais finir mon secondaire 5 là-bas, puis après mon secondaire 5, je déménage à Chicoutimi pour continuer mes études. Je vais étudier en droit pour devenir avocate. Les jeunes qui ont des projets ou des buts dans la vie, tu dirais quoi? Ben c'est sûr que ça serait... Tu sais, ça prend de la volonté pour pouvoir faire de quoi. Fait que juste de pas lâcher puis de se fixer un but. Parce que c'est ce qui va te permettre de foncer, de te dire, regarde, je vais arriver, je vais devenir ça. Ça te prend un but, puis faut que tu croies en toi aussi.